Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds à la question de Nathan Darlon qui m'a demandé c'est quoi un test rapide du VIH? Eh ben, pour le savoir, j'ai invité le doc et il va tout nous réexpliquer. Alors, le doc, c'est quoi un test rapide du VIH? Alors, salut Capotman, salut Nathan. Un test rapide, c'est une manière de détecter les anticorps du VIH dans le sang d'une personne pour savoir si elle est porteuse ou non du virus du sida. C'est un peu comme une prise de sang chez le médecin, quoi. Pas vraiment une prise de sang, mais le test est réalisé à partir d'une goutte de sang qu'on prélève au bout du doigt de la personne. Le résultat est connu dans la minute qui suit. Ah oui, ok, donc on ne doit pas attendre les quelques jours comme chez le médecin, où là on stresse, on le sait tout de suite alors. Ici, tout de suite, pas besoin d'attendre des jours ou des heures. À l'instant même, on réalise le test et dans la minute qui suit, on a le résultat. Ok, ben ça c'est pratique ça. Et le résultat, il est fiable? Le résultat est fiable à 100%. Juste quelque chose qu'il faut savoir avant de réaliser le test. Il faudrait atteindre un délai minimum de 3 mois après la dernière prise de risque. 3 mois, ben pff, ouais, ben c'est pas très rapide ça alors. Le test en lui-même, il est rapide, mais il y a un délai à respecter pour que justement le résultat qu'on vous donne soit fiable à 100%. Ok, et ça ressemble à quoi un test rapide? Donc un test rapide, ça ressemble à ça. C'est un kit unitaire comme ça qu'on a. Donc ça veut dire un kit pour une personne. Ok. Et à l'intérieur du kit se trouve tout le matériel nécessaire pour faire le dépistage. C'est un outil qui a été créé pour rendre le dépistage le plus accessible possible, en sachant que le dépistage, c'est la seule façon de savoir si on a été en contact ou pas avec le virus du sida. Bon, ben, merci Doc pour toutes ces explications. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.